Bienvenue à mes scorpions pour votre tirage pro et argent pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à mes scorpions, on va commencer par tirer pour vous un message pro et argent pour cet été. Avant de faire votre tirage ici, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai en tirant pour vous une carte. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti. Scorpion, ouh, la séparation. Bon, ça saute. Ok, la séparation, c'est pas nécessairement une rupture. C'est pas nécessairement une fin de relation. Ça peut aussi signifier qu'on prend un chemin différent. Voyez, on prend une route différente ici. On se sépare peut-être d'un lieu de vie, de certaines habitudes, de certaines personnes. Ok, ça peut signifier une séparation amoureuse, amicale, familiale, ce que vous voulez. Mais c'est surtout prendre un chemin différent et qui sera davantage aligné avec vos véritables aspirations. Ok, on est quand même dans cette idée de croiser des chemins. Pour vous, j'ai l'impression quand même d'une redirection. Ok. Peut-être que vous aviez l'impression que là où vous êtes, là où vous vivez, où vous viviez, si vous êtes en pleine transition comme ça, le monde était un peu contracté. Voyez, c'était contracté, c'était étroit. Et là, vous allez dans une voie différente qui va vous permettre d'accueillir davantage d'opportunités. Ok, amis scorpions, on y va pour votre tirage. Situation actuelle, changement à venir, peur et challenge, guidance dont vous avez besoin et résultat possible au centre. Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a peut-être aussi besoin de se séparer de certaines choses, séparer de certaines choses matérielles qui peuvent alourdir votre parcours d'une façon ou d'une autre. Des vieilles choses. Ok. Peut-être des choses associées à d'anciennes personnes. Faire une sorte de tri ici. Ok, amis scorpions, votre tirage pour cet été 2024, pro et argent. On y va. Allez. Votre situation actuelle, on a le chariot. Oui. Le changement à venir, la 4 de bâton. Vos peurs et vos challenges, la 5 de denier. La guidance dont vous avez besoin, la 9 d'épée. Le résultat possible pour vous, la 2 de denier ici. D'accord. Ça secoue un petit peu votre tirage. On va clarifier après. Allez, amis scorpions. Votre situation actuelle, on a le chariot. Pour certains, oui, une énergie de déplacement, de déménagement. Prendre la route, prendre une direction, foncer. J'ai l'impression qu'on parle d'accélération professionnelle pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un projet dans lequel vous vous lancez à pleine vitesse, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous tenez bon, vous tenez la route. Et pour moi, ça va réussir ici. Mais je vois clairement pour certains cette idée de déménagement, d'embarquer quelque part dans une voie, ici, avec un objectif de réussite, très clairement. Le changement à venir, on a la 4 de bâton. Donc pour certains, peut-être un changement de maison. On a peut-être un mariage, une célébration, les fondations d'un nouveau foyer ici. Peut-être qu'on change de maison pour certains. C'est possible. Ok. D'accord. Il y a quelque chose qui va se... Les 4 bâtons vont se planter fermement dans votre vie. Donc on va retrouver ou recréer peut-être une forme de stabilité ailleurs. Donc pour certains, peut-être que vous séparez d'une relation ou d'une relation amicale ou familiale, mais ça vous permet de planter vos bâtons, pardon, de créer de meilleures fondations ailleurs, ici. Voyez, il y a une célébration à venir pour vous cet été, une fête importante dans la joie, les plaisirs, le bonheur. On va clarifier, amis scorpions, pour vous littéralement un mariage pour certains. Ok, la 4 de bâton. Et on a le jugement. Ouh, pour certains, on a peut-être une demande en mariage. Vraiment. Ou peut-être que vous êtes dans un business lié au mariage, lié au foyer, lié à l'immobilier, business sur Internet, ce genre de choses ici, pour certains. Peut-être que vous allez vous lancer là-dedans. Peut-être que... il y a cette idée de rechercher une nouvelle maison, un nouvel endroit où vivre. Ok.
Vos peurs et vos challenges, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, elle va nous parler de chômage, de difficultés financières, de maladies, d'isolement, de sentiments de solitude, sentiments de rejet. Donc peut-être que vous avez peur de manquer de ressources. Ça nous parle aussi de manque. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui vous manque. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous aimez, ça peut être... Voilà, on est dans les peurs de manquer ici. Peut-être un sentiment de solitude profonde. Ok, on va clarifier la 5 de denier. J'entends incompris, comme si on se sentait incompris ou incomprise. Et on a la 3 de bâton. Ouais, je pense que vraiment le challenge, ça va être de quitter cette position... Un peu de... La 5 de denier, c'est aussi la carte du martyr, victime. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Vous voyez ? Non, la 3 de bâton, on regarde vers l'avant, on regarde vers un nouveau départ, une nouvelle vision, un nouveau bonheur. On s'attend enfin au meilleur. On sort de l'énergie victime dans la 5 de denier pour contempler l'horizon, ce qui pourrait nous attendre avec un regard davantage optimiste. Donc peut-être que votre challenge... Ça va être justement de porter un regard sur l'horizon, droit devant vous, avec une approche confiante, optimiste, curieuse et d'aller vers la nouveauté. Parce que là, on a bien une situation qui ne vous convient plus, qui n'est pas nourrissante, ou en termes d'abondance, qui n'est pas assez. Qui ne vous permet pas de vous sentir dans une forme d'abondance matérielle et financière ici. Donc on a cette énergie de contemplation. Ou alors on ne se sent plus bien là où on vit. Et dans la 3 de bâton, on contemple le fait de partir loin. Voyez ? Ok. La guidance dont vous avez besoin, c'est la 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, elle va nous parler de stress, d'anxiété, de cauchemar, d'angoisse, de peur, de tourment intérieur. En termes de guidance, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, ce sont des mots. Vous voyez ces épées là qui vous... qui vous prennent la tête, tout ça, ce sont que des mots. Donc, rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu, ami Scorpion. Donc, pourquoi vous angoisser ? On est en train d'anticiper toujours le pire. On est en train d'anticiper toujours la galère. Alors, peut-être que pour certains, littéralement, parce qu'on a la 2 de denier centrale en résultat, peut-être que vous anticipez le fait que, ah, ça va être compliqué, je vais être overbooké, je vais être sur tous les fronts, ça va être chargé, je vais avoir une rentrée chargée... Donc on est dans l'anticipation ici du pire. Voyez ? On va clarifier la 9 d'épée pour vous, amis Scorpion. Ça peut être une période un peu lourde. On a le fou. Libérez-vous des pensées de stress, d'anxiété, de toujours vouloir anticiper le pire. Faites confiance, faites-vous confiance. Osez prendre des risques, osez faire ce nouveau départ, osez vous lancer. Osez y aller, faites confiance à la vie, faites confiance au processus. J'ai l'impression que vous allez vous lancer dans quelque chose qui est nouveau, qui est différent. Donc il y a toujours ce stress, cette angoisse, cette appréhension, parce que justement c'est nouveau, c'est différent. C'est pas parce que c'est nouveau ou c'est différent que ce n'est pas bon pour vous. Et c'est pas parce que quelque chose est familier, ou une situation est familière, ou un emploi est familier, ou des personnes sont familières, que c'est bon pour vous, voyez. C'est juste que là, il y a peut-être pour vous... une période un peu inconfortable parce qu'on fait un nouveau départ, on prend un risque majeur et il y a quand même ce temps d'adaptation, voyez. Donc accueillez cet inconfort, mais ne remettez pas en question vos décisions parce que c'est nouveau et parce que c'est inconfortable. Accueillez pleinement ces émotions d'inconfort, remettez-les à leur place de nouvelle aventure, voyez. Ok, le résultat possible pour vous, c'est la 2 de denier. Alors la 2 de denier, elle nous dit que vous allez jongler entre toutes vos responsabilités, vous allez être par monts et par vaux, et pour certains, peut-être hésiter, il y a peut-être une décision que vous avez à prendre par rapport au professionnel, par rapport à une relation, par rapport à un investissement ici. Entre les deux, mon cœur balance. Peser le pour et le contre d'une situation. Jongler entre toutes les factures, entre tous les investissements. Ok, on va clarifier la 2 de denier pour vous, ami Scorpion. On va devoir jongler un petit peu. C'est ça l'idée. Et on a la 4 de denier ici. La 4 de denier, elle nous parle quand même d'une forme de protection. On s'accroche
à ce qu'on a. On s'accroche, voyez. On a du mal à lâcher prise. On a besoin de se sentir en sécurité. Sécurité matérielle, sécurité financière. J'ai l'impression qu'il va falloir jongler un petit peu au niveau matériel et financier. Faire peut-être preuve d'un peu plus de parcimonie ou d'économie au niveau matériel et financier pour pouvoir assumer toutes vos responsabilités ici ou tous vos engagements. Ami Scorpion. Ok. Attention à ne pas trop disperser votre énergie. Préservez-vous. Préservez-vous. Apprenez à dire non à ce qui ne sert pas votre plan ultime, la direction que vous avez envie de prendre dans votre vie. Parce qu'on pourrait beaucoup vous solliciter ici et on vous dit non, préserve ton énergie ou préserve tes ressources. Ok, ami Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Scorpion, signe solaire, mère ascendant, vous avez la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, que ce soit seul ou à deux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.